Aujourd'hui, partager c'est direct là. Partager. On va parler un peu de la fille de mon meilleur ami, qui est aussi ma fille. Voilà. Mettez la j'aime. Partager ce direct là, parce qu'il y a Djenzé. Tu vas gâter. Partager ce direct là. On va parler un peu de la fille de mon frère. Voilà. Parce que il y a beaucoup qui n'ont pas encore écouté. Et il y a beaucoup qui ne savent pas ce qui se passe. Voilà. On va causer. Mettez les j'aime. Partager ce direct là. Ok. Allô, ça va? Quand tu mets papa de Rafna, tu veux dire quoi par là? Ok. Bon. Salutations. Je m'appelle Olo Kwatchal Empereur, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Le meilleur ami de Didier Arafat, le défunt Didier Arafat, feu Didier Arafat. Voilà. Le meilleur ami du feu Didier Arafat. Bon, je vais vous dire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, c'est la première fois et la dernière fois que je suis en train de faire des vidéos et causer de parler de ça. J'en ai marre, ça fatigue. Si dans votre vie ici il y a des gens qui sont sortis avec votre femme, c'est pas moi le Kwatchal Empereur.
Je ne cherche pas les femmes de moi, mes amis, surtout mon meilleur ami. Ok? L'Ivoirien aime tout ce qui est mazo, tout ce qui est bête, tout ce qui est méchant, tout ce qui est mauvais. L'Ivoirien aime tout ce qui est bête, au fait. L'Ivoirien aime tout ce qui est... Quand on dit le mal, ce sont les Ivoiriens. Aujourd'hui, je voulais souligner quelque chose. Et même bref à tout ça. Quand partout je passe, même des vieux pères, tu sens des amis, mes vieux pères. Et parce que c'est un jeu chez moi, en fait. Mais pour finir, j'ai compris. J'ai dit, mais pourquoi pas ma fille? Christy Happy a mis quelque chose sur les réseaux, sur sa page Facebook. Que Rafna, c'est ma fille. Elle a même pas quitté, même né, lui, il prend. C'est une très belle petite fille que mon ami a laissée. Voilà. Quand je vois des postes, sa main, Olokpatia, ça a trompé tant. Ça me fait rigoler. Et ça me fait rire. Sa maman n'a pas besoin de venir se justifier sur les réseaux sociaux. Elle ne répond pas parce qu'elle sait que ce que vous faites sont des bêtises, des conneries. Donc elle n'a pas besoin de venir parler de ça. Comme si vous voulez chercher sa bouche et chercher moi ma bouche. Mais ce que vous voulez entendre, vous n'allez pas entendre. Ok? Je vous ai dit, le documentaire sort le 12 août. Et attendez, concentrez-vous sur le documentaire de la vérité. Rafna, c'est la fille de mon frère, tu n'es plus. C'est la fille de celui-là, tu n'es plus, tu m'as donné nom. Celui tu m'as donné nom, quand tu vois, grâce à lui, on me connaît. C'est sa fille, tu es là. Depuis petit, je suis avec ce dernier-là. Depuis petit, on a grandi ensemble, on a tout fait ensemble. C'est pas d'adoudu. On a vécu les moments difficiles que des gens qui sont rentrés dans la Yorodang, qui n'ont pas assumé, ils n'ont pas vécu ça. L'André Agban vendait ses habits et il vendait ses voitures. On l'a pris, on l'a mis à côté de nous. Ça faisait trois. Yuyu, toi rouge. Tu étais le manager et le pied sur de Charlie Parker avec Jagen Aboy. C'est comme ça qu'il a pris, il était manager de Didier Arafat au temps de Jonathan. Non, pas autant de Jonathan, autant de Kpongo. Quand Kpongo est sorti de Bordeaux à Arafat. C'est comme ça qu'on a pris Yuyu. Qui a managé l'artiste. Et tout cela, quand j'étais mon ami, le grand frère Yuyu est venu. L'André Agban vendait ses habits. Et on l'a pris, on l'a mis dans le groupe. Et on l'appelait grand frère parce que les deux étaient nos grands frères du quartier. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir. Le 12 août, vous allez savoir beaucoup de choses. Donc, quand je vois des gens réellement qui ne savent pas ce qui se passe, taisez-vous. Le 12 août, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et vous allez vous méfier aussi de beaucoup de gens. En fait, c'est pas tout en dit sur les réseaux sociaux. J'ai compris ça depuis. Et c'est que quand il faisait direct avant, je venais expliquer ma vie, je venais expliquer des choses. Tout ça, c'était exprès. Oui, c'était exprès. Pour voir la réaction des gens. Mais aujourd'hui, j'ai compris. J'ai vu la réaction des Ivoiriens. J'ai vu la réaction de ceux qui étaient à côté de nous. Mais ils voient que rien n'est encore trop tard. Si Dieu te donne le souffle de vie, Dieu te donne la santé, c'est qu'il y a beaucoup de choses devant. Donc, Rafna en question, c'est la fille de mon meilleur ami. Donc, si la fille de mon meilleur ami,
c'est ma fille. Oui. Je prends exemple, quand il voyait, Arafat voyait ma petite soeur, Ophélia, la dernière, notre dernière, dans un bar. Il voulait la frapper. Et c'est moi, il peut dire un mot. Quand il parle, il crie sur moi. Mais c'est sa petite soeur aussi. Ma dernière, là, c'est sa petite soeur. Il a vu grandir. Donc, pour le mal qui est dans ça, tu en dis, Ravna, c'est ma fille. Je vous ai loupé ce qui est mis. Papa t'aime là. Je vous ai loupé. Demain là, il y a même quelque chose où ça vous choquait encore. Là là, vous allez arrêter de parler. Ce qui est mis, papa t'aime là. Hein? Je vous enculais ça non. Ça parle si les réseaux sociaux l'ont confirmé. C'est votre tante Mougou et puis elle fait Ravna. Vous avez compris? Votre tante là, c'est Mougou et puis elle fait Ravna. Donc arrêtez de salir le nom des gens. Arrêtez de salir moi mon nom. Et puis demain même là, Ravna c'est ma fille parce que c'est la fille de mon meilleur ami. Je vous répète, c'est ma fille. Maël c'est mon fils. La Chouana c'est ma fille. Les enfants d'Arafat là, ce sont mes enfants. Si demain ils ont problème, je touche du bois. Il peut être là pour eux. Parce que ce sont mes enfants aussi. Est-ce que vous comprenez? Si témoin, mes enfants, ils ont problème là. Je peux m'occuper d'eux. Je peux venir pour dire oui, je peux les aider. Parce que ce sont les enfants de mon meilleur ami qui n'est plus. Donc arrêtez de parler. Arrêtez de bavarder. L'ivoirien, ce que l'homme ne dit pas, il vient à grammatiser. Hé, hey, champion. Hé, hey, moi là, où je suis là? Je m'en fous de qui que ce soit. Moi, mon nom est déjà gâté depuis quand. Moi, je suis fatigué. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Ce qui est arrivé, c'est Dieu. Et aimons-nous vivants, respectez Dieu. Parce que Dieu, là, c'est pas camarade de quelqu'un. Voilà. Et vous dites ça, Dieu, là, c'est pas camarade de quelqu'un. Et respectez votre maman aussi. C'est très important. Et sur cette terre, quand tu mets un enfant au monde, il faut tout le bénir. Il faut tout lui donner la bénédiction. Pas le maudit. Le 12 août, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Apprêtez-vous. Vous allez voir que ce qui m'a dit là, il est fait. C'est pas on. Hein? Et puis ce que les gars vont vous faire là, il est voir ça. Il est voir de quoi vous êtes capable. Moi, il ne parle pas trop. Quand ça sortit, pas. Vous allez voir que lui, c'est un malade. Dans la famille, c'était moi le vendeur de poissons, l'homme qui tient l'empereur. Donc, Ravna, c'est la fille de mon meilleur ami, c'est ma fille aussi. Voilà, j'accepte. Et puis il y a quoi dedans? C'est ma fille, oui, c'est ma fille. Ça vous fait mal. Allez, prends quoi, vous allez vous pendre. Vous avez compris? Quand vous parlez, non, tu as cassé le téléphone dans la face. C'est votre téléphone. Ça vous voit papa, mais ça vous voit maman. Si vous êtes trop fâché, venez prendre ça. Chez d'autres, non, c'est pas cassé, non. Venez prendre. Donc pour Ravna, c'est ma fille. Voilà, ce que vous voulez savoir, non, c'est ma fille. Ah bon, attendez, salut, c'est de moi, l'opatien empereur. Encore n'est pas demandé. Le sport fait du bien. Voilà, le sport guérit. C'est très important. Allez-y au sport, quelques fois. On est ensemble. Au l'opatien, passez une bonne journée, que Dieu veille sur vous. À nos Jaguars, depuis Paris, avec Élysée, tous les artistes. Big up à vous, je reste du bon boulot là-bas. Voilà, très bientôt, Inch'Allah. On ne parle pas trop. Affaire à suivre. On est ensemble.